sur DKTV. Et maintenant pour vous, le king du rock'n'roll, Donkey Kong. Puisque le programme continue encore et encore. Encore plus de rire avec le tondeur qui décoiffe même les brushings, Parker Lewis, suivi de l'intrépide échevelé chevelu Hercule Contrares. Et nous terminerons avec la série qui défrise de rire les moutons, Code Lisa. Alors restez de mèche avec DKTV. Salut les filles, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir pour vous un garçon que j'adore. On a fait les 400 coups ensemble, il est né le même jour que moi, et comme moi, il aime les rillettes. C'est le nouveau prince de la Pop on the Rocks Music, monsieur Pascal Industry. Salut à tous. Alors Pascal, dis-nous tout. Quel bout en train ce Pascal. T'as pas changé, brother, hein. Bon allez, un peu de sérieux, t'as commencé ta carrière comment? Bah par un disque. Par un disque? Plus sérieusement, j'ai commencé dans un bar en jouant de la comptoir music. Ensuite, j'ai pris 2-3 cours de piano. Et maintenant, je fais dans la Pop and the Rocks. Waouh, père cool, dis-moi, t'es vachement sollicité. T'as écrit pour Zazou, Jenny Holiday, Florent Panier. Tes journées sont bien remplies, dis-moi. Mais tu écris quand pour toi? La nuit, quand je suis seul dans ce grand lit froid et que je pense à vous, les filles. Bon, on va s'arrêter là avant que ce soit l'émeute et que tu me piques la vedette. Bon allez, salut à tous et à bientôt pour un nouveau Fréquence Kong. Ouf, un peu plus, c'était lui la star. Je l'ai échappé méga belle. On a eu l'échappé belle. Frôler l'amour de peu. On a eu l'échappé belle. Par le soleil et la lune, par la terre et le ciel, par les faris de ma grand-mère et les pustules de mon grand frère, je t'ordonne d'apparaître. Compa Sabana, Abanana Calabra, et c'est pas. Et voilà. C'est vraiment pas sorcier. Bonjour et bienvenue ici au cimetière Kong où va se dérouler à l'occasion d'Halloween le premier 100 mètres rat qui verra courir les plus athlétiquement vivants. Le départ va bientôt être donné, attention! Qui
ce matin-là pour Jean-Claude Truchet, un honnête zombie. Jean-Claude Truchet pouvait être fier. Journaliste, un travail bien payé, deux femmes et une maîtresse. Tout allait donc pour le mieux dans cette petite ville du Jura. Salut Jean-Claude, comment ça va? Tu as un coup de main pour ton article sur les chutes du Niagara. Non, merci. Ça ira. Tout allait bien pour Jean-Claude Truchet jusqu'à cette horrible nuit. Jusqu'à ce soir terrible où il se mit à chercher une agrafeuse que jamais il ne trouva. Jean-Claude Truchet ne se doutait pas qu'il allait tomber sur une créature immonde issue d'un cerveau de démon. FX. Un prof de maths. Démontré que les limites à gauche et à droite sont identiques. Soit le carré de l'hypoténuse d'une matrice à 9 entrées, calculer et tracer la somme toute oblique. Eh bien, Jean-Claude, quelque chose ne va pas. C'est horrible, Sarah. Un prof de maths me poursuit. Mais enfin, Jean-Claude, à part dans les contes pour enfants, les profs de maths n'existent pas. Ah, attention, le voilà. Qui? Réguliers de l'espace sont le tétraèdre, le dodécaèdre, voilà, du bloctaèdre, voilà, Maintenant, ils sont parmi nous, proliférant à la vitesse d'un grand V. Prof de maths, contractuel, banquier, huissier de justice ou inspecteur des finances. La nuit des vivants morts, le cauchemar a déjà commencé. Bonsoir, dites, est-ce que je peux jouer avec vous? Eh non, boss, faire peur, c'est pas un amusement. Si tu crois qu'on a le temps de se marrer... Oh, c'est vraiment trop injuste. Et alors... Allez les filles, c'est pas tout ça, mais il nous reste encore 3 cimetières et 2 ruines à hanter avant la fin de la nuit. Bonsoir mesdames, et dites, est-ce que je peux jouer avec vous? Oh non, c'est pas vrai, encore lui? Est-ce qu'il peut être casse-pied celui-là? Oh, c'est vraiment trop injuste. Casse-pied, le gentil fantôme, bientôt sur DKTV. Ah oui, comme ça on pourra jouer tous ensemble. Gentil, oui, mais chiant. Contre les vampires, elle avait tout essayé. Les sucettes à l'ail, les sucettes à l'anis, leur transpercer le cœur avec un pieu dans un lit, les disques de Philly Winter, même le www.dracula.transylvania.com ne donnait aucun résultat. Mais aujourd'hui, grâce à sa détermination et à son mordant, elle a trouvé la solution. Les vampires, elle les bouffe. Le problème avec les vampires, c'est que ça fait vraiment grossir. Bouffy contre les vampires, la série dont vous allez être mordu à 100%. Bientôt sur DKTV.
l'équipage en aïoli. Mes informateurs étaient formels. Une soucoupe volante devait atterrir ici. Et vous attendiez quoi, agent Mulder? Des petits hommes verts? Le cube des Bermudes? Le frein à main! Suite à une regrettable bavure, les agents Mulder et Dana Yoli sont mutés dans le service le plus naze du FBI. Bureau des affaires bien anormales. Jeudi 10h, heure de Kuala Lumpur. Excusez-moi, on est bien dans le baba ici? Oui, alors? Alors, j'ai des zombies dans mon jardin. Je ne dors plus du soir au matin. J'ai mis des pièges. Ça ne donne rien. J'aurais bien besoin d'un coup de main. Votre nom? Monsieur OM, en deux lettres. Ne dites pas n'importe quoi, monsieur OM. Les zombies n'existent pas. Mais si! Tenez, regardez, j'ai des preuves. Et cette image est très mal truquée. On voit très bien que vos rides ont été retouchées sur Photopop 5 points. Mais non, écoutez, j'ai enquêté au cadastre. Et je me suis rendu compte que ma maison a été construite sur un ancien cimetière gallo-romain. Je ne vois pas le rapport. Enfin, vous pouvez toujours remplir un bordereau. En 3 exemplaires. Bonne journée. Bon, écoutez, je suis le cousin de l'arrière-petite-fille de la grand-mère du frère par alliance issu de Germain du président. Alors si vous ne voulez pas vous retrouver muté à Plouc sous Rivette, je vous conseille de m'aider. Chef, oui, chef! On commence par quoi? Par une visite guidée de mon jardin. C'est très bien, ce soir, c'est la pleine lune. Quoi qu'il arrive, ne piétinez pas mes petits amis. Là! 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 Faites gaffe! Vous avez des taupes! On en a marre d'être sous terre. Les vers de terre sont fracosants. Impossible de boire un verre quand c'est qu'on est des morts vivants. Alors les nuits de pleine lune, on met notre plus beau linceul. On se raccroche les mandibules et on va tous se fendre la gueule. Vous voyez? Et c'est comme ça à chaque nuit de pleine lune. D'accord, monsieur Homme. Vous avez bien fait de faire appel à nos compétences. Quelle heure est-il? 23h05. Eh bien, messieurs, je crois que vous êtes bons pour une sévère amende pour tapage nocturne. Mais si vous baissez la musique, on fermera les yeux. Exceptionnellement. D'accord. C'est pas une vie, c'est un zombie. Car on s'y pousse, que pour perpète. On a pour seule compagnie que les fantômes et des squelettes. Et voilà le travail. Merci d'avoir fait appel à nous. Là, hein, tu me fais signe, ok? Qu'est-ce qu'elle a, ma petite tête? Tu
tu chercher la vendetta? Au bel Corsica. Attention, cette voiture peut en cacher une autre. Beaucoup d'autres. Elle aime. Il aime. Candy et Donkey, LVO. Royal câlin. On a accusé un innocent à tort et on l'a jeté dans un cachot du château d'Ouf. Les années passent et il rumine sa vengeance. Plaît-il ? Rien ! Je ruine la vengeance ! Enfin, il est prêt. Usant de subtils déguisements, il parvient à ourdir une complexe machination pour se venger. Hé ! Morcerf ! Oui ? Le comte de Monte Cristo. Une histoire française, filmée à l'américaine avec Arnold Depardieu. Le même cinéma. Une semaine avant Noël, ça lui prend, il faut qu'il s'entraîne. Et vas-y que je monte sur les toits, et vas-y que je me roule dans la neige, sans parler du graissage des rênes. Mais tu sais qu'il va jouer avec moi. Non, mais c'est pas possible. Alors évidemment, quand il rentre, il m'en colle partout. Et qui c'est qui se tape le nettoyage? Eh ben à chaque fois, non, mais c'est pas possible! Je viens juste de ranger, tu m'en mets encore plein partout! Désolé, j'ai raté la marche. Oh! Chaque année, à la même époque, c'est toujours la même chose. Le Père Noël est le gros rouge qui tâche. Y es muy fu de cette éclatante lumière, bude en pelamente y es incandescente, tu fais de l'ombre sur ce pot de fleurs, qu'il symbolise la fertilité créatrice de mon cerveau. Oui, oui, tout de suite, maître. Non, ça va faire ça, si. Dans les landerneaux de l'Albuta. Excusez-moi de vous déranger, maître, mais est-ce que ça va être encore long? J'ai une petite crampe. L'arle et souffrance. Il n'a que faire des plaintes stériles face à la beauté. Seul mon génie astro-cyber-quantique doit parler. Oui, maître. Et voilà! Encore un chef-d'œuvre magnifique, splendeur. Ah, je peux regarder, maître? Viens. Maître. Viens, fille du soleil, et tombe à genoux devant mon génie. Oh, ce qu'on est bien, relax et tout. Profitons du soleil, hein. Regarde derrière toi, un disque contre un qui va se viander. Pas trop facile, là. Bon, les enfants, Noël est passé, mais pas de soucis, papa est là pour vous trouver de nouvelles activités. Vous n'allez pas vous ennuyer. Vive le vent d'hiver! Ah, engagez-vous, qu'il disait, hein, bah dis donc! J'ai intérêt à me souvenir de mes cours de magie! Après une tournée triomphale dans les plus grands supermarchés de l'Hexagone, et pour la première fois au Théâtre Grévin, le plus grand des petits magiciens, l'illustre Didi! Sous vos applaudissements!
Grâce à mes pouvoirs magiques, je vais essayer de le faire disparaître. Abracadabra, disparaît de là. Je suis où là? Je vois plus rien. Au secours! Y a quelqu'un? Oh, c'est bien ma chance. Pour une fois que j'avais du public. 7 fois 4, 12. 7 fois 5, 37. 7 fois 7, 4. 5. Ah non, je me suis trompée, c'est pas 5. Pas Jojo, c'est pourtant simple de ne pas se tromper. 9 999 francs seulement. Stiamo qui, stiamo là. C'è l'amore, c'è la e tu. Ici, se ti va. Quand vient l'été, le truc gonflant, si on aime bien la bonne bouffe, c'est qu'on peut plus rentrer dans son maillot de bain. Et en plus, on a les boules de ressembler à un gros ton. Alors moi, pour rentrer dans mon maillot sans effort, j'utilise chausse-pied de Biavermine. Avec chausse-pied, en forçant un peu, je peux faire rentrer tous les bourrelets dans mon une pièce, même les plus gros. Chausse-pied, des laboratoires Biavermine pour les femmes qui refusent de ressembler à des sacs d'os. Bonjour à tous, bonjour Pierre. Bonjour Denise. Bonjour Pierre. Alors quel est l'objet extraordinairement fabuleux que la boutique nous propose aujourd'hui Pierre? Eh bien cher Denise, la boutique Télé-Arnaque nous propose aujourd'hui un objet utilitaire et pédagogique puisqu'il s'agit du Tarzan multifonction. Ah, Tarzan multifonction, quelle bonne idée Pierre. Oui, Denise, mais la grande nouveauté, c'est que cet objet est vivant. Vivant? Pierre, vous nous faites une blague? Pas du tout, Denise, et je vais vous le prouver en images. Regardez. Notre Tarzan multifonction vous servira de réveil pour les matins difficiles. Dédé, mais ce n'est pas tout, car il se transformera aisément en une magnifique descente de lit. Écoutez Pierre, c'est tout simplement extraordinaire, mais tout ça n'est pas très pédagogique quand même. Détrompez-vous, douce Denise, car notre Tarzan multifonction pourra également vous servir de prof d'anglais. Non. C'est... Non. Mi, Tarzan, you, Chita. Oh, moi c'est Marie, c'est pigé. Et ce n'est pas tout, Denise. Ah, que des surprises, que des surprises. Bien, vous nous gâtez. Rien n'est trop beau pour vous, ma Dédé. Oh. Eh oui, car notre Tarzan est disponible à partir de 9 999 francs 99, frais de port inclus. Mais la grande surprise, Denise, c'est que si vous nous appelez au 08 36 08 36 avant 14h aujourd'hui, le cachet de la poste faisant voix, bien sûr, vous recevrez ce superbe slip léopard à l'effigie de moi-même. Oh. Au revoir à tous et à bientôt pour un nouveau Télé-Arnaque. Oh, Pierre, je le veux, je le veux. Denise, cassez. Oh, j'adorerais. Accordez. Oh, Pierre. Oui, Denise. Moi, Jen. Et moi, Tarzan. Madame rêve. Très sensible. Alors j'ai acheté une nouvelle marque de couches. C'est génial. Avec ces nouvelles couches, il est toujours au sec. Le seul problème, c'est qu'il y a des effets indésirables. Mais bon, on s'y fait. Peau d'ours, les couches vraiment au poil.
peau d'ours. Les bébés ne lui disent pas merci. Efficace même contre les entartages. Bon, vous me lâchez maintenant, ok. Gold Film présente un film de Pat Wood Senior. Allez, annonce mon petit. 17-3, première. Ils sont de retour avec des effets spéciaux du genre. Visite, maestro. Ils reviennent avec des dialogues du style. Salut, je m'appelle Woody. Salut, je m'appelle Buzz l'éclair. Et un humour dans le genre du style. Alors, ça va, monsieur Patate? Oh non, non, aujourd'hui j'ai pas la frite. C'est pas grave, car moi j'ai la patate. Mais non, toi t'es le réel, tu dois dire rire. Rire. Ne ratez pas Toy Story 2, la suite bidon de Toy Story 1, dans tous les faux cinémas et sur DKTV pour les vacances des pacotilles. Allez, tu vas bouffer. Addition, Alors, Ginette, personne t'a jamais dit que t'es carrossé comme une remorque. Tu vas finir par me faire rougir la pommette. Et moi, quand je rougis, j'ai le maquillage qui fond. Et quand j'ai le maquillage qui fond, eh ben, il coule. Et quand il coule, il faut que je me ravale la façade pendant trois plombes. Alors arrête. Arrête, moi, tu me plais, c'était pas mes gueules. Et puis, t'as de beaux airbags. Sans vouloir être désobligeant, une petite collision avec toi, je cracherai pas dessus. Ah, bah, dis donc, toi, t'es un poète, hein. Oh, y a pas photo, tu sais causer aux dames, hein. Et remarque, causer, c'est bien. Mais pour mettre la main à la pâte, y'en a plus d'un qui se débine la queue basse, hein. Oh, bah, alors ça, ça peut s'arranger, ma louloute. Quand le devoir m'appelle, Dédé, il dit toujours présent. Et au garde à vous. Fais gaffe, j'ai le fatiguement qui monte. Un mot de plus et je passe la première. Alors moi, j'embraye. Les Beaux de l'amour. Retrouvez tous les jours la série la plus vulgose de toute la télé. Pas, tu le promets. Oh putain. Je découvre les questions en même temps que vous. C'est quoi ce truc? Tu vas faire, ok? Ouais, c'est un aller qu'un poivre. Moi, je m'attendais à tout. Et pas ça. Le Grand Tralala, l'émission où l'animateur ne contrôle rien et où tout peut arriver. Samedi soir à 22h45 sur France 2. C'est vous, et ce sera mieux qu'au Cinoche, car la première séance, c'est tout de suite avec la série qui crève l'écran, Les Incroyables Pouvoirs d'Alex. À ne surtout pas manquer. À plus. Je m'appelle Alex Mack.
Je n'étais qu'une enfant ordinaire jusqu'à ce qu'un accident transforme ma vie. Depuis, rien n'est plus pareil. Tes vacances chez ta grand-mère se sont bien passées. Marie ! Ramenez-vous et apportez-moi un café ! Ouais, plus vite que ça ! Oh, un personnel ! Marie ! Non, ne faites pas ça ! Non, je n'en fais plus ! Vous aussi, pour ne plus vous laisser faire, buvez de l'abattoir. Fais pas ça, t'as bouffé trop de chocolat. Pour le skate, c'est râpé, t'es trop lourd, tu vas tomber. Fais pas ça, t'as bouffé trop de chocolat. Pour le foot, laisse béton, on va te prendre pour un ballon. Pour le foot, laisse béton, on va te prendre pour un ballon. Fais pas ça, pour le skate, c'est râpé, t'es trop lourd, tu vas tomber. Petit pâteau, les sous-vêtements des sportifs qui se tapent un énorme bide. Sur DKTV.cool, il n'y a pas à dire, c'est géant! For the first time in the history of television, cartoon characters from children's series can interact in real time with the real world. Live on the set like any other show, cartoon characters now present programs just like real actors do. This unique technology, developed by Media Lab in Paris, is now available. It's not so much in your own time animation or any time but now. In fact, it's real time animation. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle. Donkey Kong Country, take one. And action! Since its inception, Media Lab has been developing efficient production-oriented performance animation systems, opening the way for cost-effective productions for character animation. Media Lab's performance animation consists of animating a character in real time so that the performers and directors have immediate feedback and can make corrections at any time during the performance. Production conditions are comparable to those used for classical filmmaking, where a director can sit in the studio and give instructions to the performers. I gotta look good. You do? But I gotta look especially smooth. I'm dropping in on candy. It's her birthday. Candy. She's just a girl, DK. You can't have fun with a girl like we do. She's the girl of my dreams. If only I could get her away from... I need that plastic coconut! Donkey Kong is a full computer-generated half-hour series based on the famous video game by Nintendo. I am ordering you to eliminate, exterminate, annihilate that simple-minded ape! The characters in the series are animated with Media Lab's performance animation system. He's invincible. It's the bananas that make him invincible. Operation Attach Head completed, sir! I'm Candy Kong's Kong. We look like we're one and the same. Media Lab's performance animation technology is a cost-effective and efficient production tool that brings a totally new dimension to traditional animation. Just like candy cane. Working with real actors enriches the way the story is told. Getting immediate feedback on performance of the animated character provides greater creative control. Every monkey's dream for your evil scheme.
doesn't work for King K. Roo. Bravo! She lives! She lives! She could fool an idiot! Fooled me! And now, the snip, clip, power slip, you're a wimp and that's it! The curse on Donkey Kong! She'll cut his hair, which will cut his strength and cut him out of the picture! But what's most exciting about performance animation is that once you create a character, you can use it for anything. TV shows, talk shows, sitcoms, game shows, video games, home videos, CD-ROMs, trade shows, amusement parks, everything but the kitchen sink. Allez, on coupe! Attention, mais non, je commence! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là! Eh, messieurs, Donkey, encore, il m'embarque! Pour le Mélanisson, yeah! Alors, je te pose une question. T'as pas le droit de dire oui, t'as pas le droit de dire non. Attention, c'est parti. Tiens, donc, pendant que j'y pense, pendant tes vacances, t'as relu les aventures de Tintin? Ah non, non, j'ai relu les aventures de Oui-Oui. Oh, oh. T'as perdu. T'as perdu. T'as perdu. C'est à moi de dire au revoir. Hé, hey, les Donkeys, je vous dis un grand... Salut les Donkeys, oh, au revoir. Since September 1996, the Donkey Kong characters are starring with Melanie in the children's program Donkey Kong Planet, airing on France 2. Cool, Donkey, cool. Non, moi c'est Kong, Donkey Kong. It has been an instant success. The Donkey Kong Planet show is shot live like any other show. Cartoon characters and real actors perform together and entertain children. C'est pas, j'ai la modestie qui me fait mal. Non, moi, les chiens, je donne pas dans le reptile, mademoiselle. Je suis pas un rampant. The Donkey characters now have a career of their own. Once in a while, to make ends meet, they'll even do commercials. Au revoir la caméra. Donkey Kong Land 2 sur Game Boy et Game Boy Pocket. Maintenant, le héros... C'est Diddy Kong! Les émissions jeunesse sont souvent le point fort des différentes chaînes et de ce fait, ont la nécessité de se renouveler. France 2 innove en la matière avec une série animée par Mélanie Angéli, comédienne et danseuse, qui a pris le relais de Maureen Dor. Ces émissions accueillent un personnage surprenant, Donkey Kong. Reportage d'Eva Choucroune. Alors, mes petits gorillous du dimanche, bien réveillés, parce qu'aujourd'hui, ça va booster grave. Pour ses programmes jeunesse, France 2 a fait appel à un animateur un peu spécial, le singe Donkey, déjà très connu des fans de jeux vidéo et qui, grâce aux prouesses de Media Lab, le spécialiste mondial de l'animation virtuelle, fait son entrée à la télévision. Moi, j'ai une banane d'enfer. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Eh bien, c'est simple. Parce que dans l'épisode des Baby Folies qu'on va se regarder, il est question de service militaire. Et moi, j'adore le service militaire. Attention! Grâce à cette combinaison et ses 18 capteurs reliés à l'ordinateur, la comédienne anime en temps réel tous les mouvements du singe. Ça, c'est la voix. Et ça, c'est la tête. Ouais, c'est moi la voix et c'est le corps. On comprend pourquoi, c'est pas vrai. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je connais depuis 5 ans, hein, qu'on parle contre. Donc, sa voix me donne vie, tu vois. Me donne pas envie, mais me donne la vie. Ça me donne envie de bouger. Alors, mes petits goriots. La voix de Christophe est la moteur de toutes mes actions. Donc on est liés. Une banane d'enfer. Donc il faut qu'on se connaît, que moi je sache quand Christophe va dire je ne sais pas, ben non, 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 non. Que je sens déjà ce qu'il va dire avant que je le joue. One, two, three, quatre. Alors, aujourd'hui pour commencer. Moi je m'occupe de la manipulation faciale, donc l'ouverture et la forme de la bouche. Et je fais aussi la voix. En gros, le principe est que j'ai des expressions sur chaque doigt et que je peux les mélanger entre elles, les provoquer plus ou moins. Un doigt égale une expression. Eh oui ! Et moi, je vais prendre mon petit déjeuner ! Hello, Donkey ! Hi, Mélanie ! Viens donc avec nous dans le monde, Donkey ! Salut les Donkey ! Salut toi ! On peut avoir une réelle interaction entre une personne réelle et une personne virtuelle, ce qui n'existait pas auparavant, puisque tout ce qui est dessin animé, etc., ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps à fabriquer, donc il n'y a aucune spontanéité. M'en fous. Mais pourquoi Donkey ? Écoute, t'as rien fait, JP ! La présentatrice réelle joue avec personne sur le plateau, la personne physiquement présente sur le plateau, elle est obligée de régler son jeu sur un moniteur dans lequel elle voit le mélange, c'est-à-dire elle-même et la marionnette virtuelle. C'est donc un problème de direction de regard, principalement, pour que ce soit compatible. Moi, je suis vraiment si Donkey est le premier personnage virtuel à déambuler dans un décor réel, ça ne lui donne pas pour autant tous les droits, n'est-ce pas, Mélanie ? Je suis un quoi, moi ? Qu'est-ce que t'as écrit, là ? Un cajot ?
Eh ben oui, pourquoi? C'est la seule rime en haut que j'ai trouvée dans mon dictionnaire de riz. Dans ma tête quand j'ai écrit cette chanson mémorable. Ouais, non mais espèce de gros bête de gorille, tu sais ce que ça veut dire un cajot? Attention. Eh ben je trouve ça très joli les cajots de banane. Ouais, ok.